Eh bien salut tout le monde, c'est vrai que je vous dis pour une vidéo annonce, vous pouvez voir sur le titre de la vidéo, une annonce tournoi Naruto Ultimate, non Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, oui donc je ne sais pas tout ça quand je ferai ces tournois, je vais être avec FloGamer, bien entendu on va pas changer car nous fans de Naruto et vu qu'on a le jeu Storm 4 aussi, on a envie de faire des tournois Naruto avec des abonnés ou des gens quelconques, mais par contre des Français, bon désolé pour ceux qui sont anglais, québécois ou ce que vous voulez, donc en québécois ça peut passer, mais anglais, espagnol. Enfin voilà, désolé mais pour ceux qui ne parlent pas français, vous ne pourrez pas venir, mais des tournois FR où on pourra vous inviter, vous demander nos pseudos on vous donnera nos pseudos dans cette vidéo et on vous demande un ami sur la PS4. On vous invite dans la partie vocale ou dans la game, ça dépendra, on verra bien, ça dépendra. Et du coup, on va faire ça en deux parties. Donc là, justement, là je vous dis qu'on quoi de l'annonce, petit patata. Du coup, là maintenant, on va passer au principe et enfin au principe et pourquoi on fait ça. Du coup on va expliquer du coup ensuite. Allez, maintenant on va passer à la précision, enfin au principe du tournoi. Allez, c'est parti. Du coup, les principes du tournoi. Alors en fait, si vous voulez, on avait, avant si vous voulez avec Flo et parfois Gwen aussi quand Gwen était là, parce que Gwen aussi a le jeu, où demain on faisait des tournois normaux et où on a croisé des gens qui jouaient bon. Certains jouaient très bien et certains jouaient très mal. Encore une fois, c'est une histoire de. De cheat ou quoi que ce soit, je vous remets la vidéo où je parlais des cheats à l'époque je jouais Storm 4. Donc voilà. Bien, du coup on s'est mécaté et à l'époque quand j'avais les 10 piges, je sais pas si vous connaissez YouTuber Dark Funeral, SF2 et Isharaku TV, avant ils faisaient une série, ça s'appelait les tournois d'Akuichi. Et en fait ils avaient des règles et des personnages interdits. Et c'était très sympathique à regarder, on voyait plein de joueurs qui jouaient très bien des personnages, certains mal, c'était super bien. Et du coup j'ai pensé à ça, j'ai dit, Flo, pourquoi on reprendra le principe, on ferait de même pour s'éclater, parce que nous on quitte Naruto, et on aimerait bien voir d'autres joueurs jouer avec nous. C'est ça qui serait super cool. Donc du coup, on a pensé à ça, et moi et après, on a tout ce qui fait que ce sera. Après il a dit que ce serait super. Ce qui fait que je vais encore plus un mystère dessus. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle intro, peut-être une nouvelle ending, peut-être une nouvelle ending. Je le ferai sans vidéo, sans live. Ça dépendra de mes. Ça dépendra. Mais normalement de base c'est une vidéo, donc du coup on fera ça. Du coup on a parlé du principe et pourquoi on fait ça. Maintenant après on va parler des règles et des personnages d'envie. Donc du coup les personnages interdits, et non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il y a la Katsuki au complet que ce sont des personnages qui seront interdits, non. Quoique il y en a quelques-uns, il y aura peut-être Deidara, parce que Deidara, les carrés c'est chiant. Et peut-être Sasori, parce que mon amitié c'est chiant, mais ça on sait pas encore, vous voyez. Parce que après vous pouvez les jouer, mais vous devez les jouer bien, c'est-à-dire quand vous prenez un gars de Deidara, vous pouvez très bien faire le carré, mais ne spammez pas. Vous pouvez très bien aller au corps à corps et de faire ça assez. Enfin, de jouer bien quoi. C'est tout ce qu'on vous demande, jouer bien. Par contre, le personnage interdit, on a interdit aussi Obito Rikudo parce que son incliné est trop cheaté. Le mec, j'en ai croisé un mec qui jouait comme ça, comme je vous l'ai dit, et c'était horrible. Pour vous dire quand même, j'ai du mal à le battre. Bon, je me suis fait. Enfin, j'ai perdu. Mais j'ai quand même réussi à gagner un peu de dignité, mais entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais voilà quoi, donc Obito, Rikudo interdit. Deidara, bon, pour moi, je laisse en suspens, mais après je pense qu'on va l'interdire aussi. On interdit aussi Kiba adulte parce que son chien est trop chiant. On l'interdit, qui déjà qu'on interdit, c'est... je crois qu'on a dit que cela. Mais après les gars, les règles, elles sont temporaires. Genre par exemple, on peut très bien dire, ouais, ce personnage-là, on le dégage parce qu'il est ta-da-da-da-da, parce qu'on a pas trop réfléchi. Donc voilà. Et aussi ne pas faire d'équipe cheatée. Genre par exemple, il y a Fluegun qui font une équipe cheatée. Genre c'est deuxième Shikage et Tobi. Tobi sans jutsu, je vous rappelle qu'il plante des mines par terre et c'est hyper relou. Après on peut faire avec. Bon, voilà quoi. C'est très très différent. Donc du coup, on fera fur et à mesure. Donc du coup, en tout cas, je dis un seul principal, c'est Obito Rikudo qu'on enlève. Et pour moi Kiba, parce que Kiba adulte il est trop chiant avec Akamaru qui te chope de sa combo comme ça, c'est trop chiant. Donc voilà. Et les règles, ce que je veux en fait, enfin moi personnellement, c'est qu'en fait des teams logiques. Ça veut dire team logique, par exemple si on fait Naruto Sasuke par exemple. Ou très bien, ou alors Itachi Kizame, ou enfin l'Akatsuki si vous voulez, une équipe de Konoha, l'équipe du sable, voilà. Une équipe où les personnages ont un lien. Si vous voulez, que ce soit fraternel, que ce soit entre père et fils, ce que vous voulez, voilà.
Il y a juste ça, et niveau nombre de soutiens, vous pouvez prendre un seul ou deux, si vous qui voyez. Donc du coup, ouais, je vais pas trop parler de ça. Et je pense qu'un peu de contenu peut être trop bon après. Ah oui, si, il y a un autre personnage interdit, ce sera Kaguya. Kaguya, personne, pour moi, ne doit la jouer. Elle est trop chiante. C'est un peu chiant, si vous voulez, c'est que ce personnage fait 2 mètres de haut de plus que les autres personnages. Donc du coup, c'est très 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 chiant de jouer, de battre contre elle. Donc du coup, voilà. Et du coup, je pense que derrière, à la fin de la conclusion. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Enfin, tout de suite. Transition. Et donc voilà, à la conclusion. Donc oui, bon, pour les règles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas très bien expliqué. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça. Du coup, on arrive à la conclusion. Donc. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire, et en tant que s'il y a des fans de Naruto dans la communauté, et dans celle de Flo, ben donnez-nous un ami, nos pseudos vont s'afficher à l'écran, moi c'est NetoPaton410 et pour Flo c'est FloGamer. Du coup vous donnez un ami, on vous accepte et on vous dira tel jour, on fera peut-être une communauté ou une conversation sur la play. On vous dira telle chose, il y aura le tournoi à telle heure et quand on pourra, voilà quoi, on programme à ça. Et comme je dis les gars, si vous respectez les règles et que vous gagnez les tournois, en grosso modo, si par exemple, imaginons que je suis premier et qu'il y a deux abonnés qui sont deuxième et troisième, ces deux-là pourront participer aux autres tournois, en VIP si vous voulez, en premium. Et les autres, si vous voulez retenter votre chance, vous retenterez votre chance dans 3 autres tournois ou dans les prochains tournois, voilà quoi. Bon, pas celui qui enchaîne, mais peut-être quelques-uns après. Du coup, je pense que ce serait une bonne idée. Et après, imagine que le premier ne soit pas moi ni Flo, ben, c'est un abonné, mais ce sera les 3, ce sera encore 3 gagnants qui pourront revenir sur ce tournoi. Donc, du coup, cette vidéo s'achève là. Et comme je dis en début de vidéo, je vais faire un nouveau format, je vais faire une nouvelle intro, je vais faire une nouvelle ending. Ending, je sais pas encore, mais une nouvelle intro, je pense que je vais la faire. Et du coup, voilà, on va passer à ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et que cette vidéo vous a plu aussi, parce que moi, je voulais faire ça et ça, je pense que ça va être super bien. Et mettez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est vraiment plaisir. Les gars, on est à 94 abonnés. Si on arrive au 100, je vous promets, je vous montre toute ma baraque s'il faut. Toute ma baraque. Et même, je vous montre peut-être une vidéo que j'ai fait, un challenge, si vous voulez, un challenge assez dégueulasse. Par contre, enfin dégueulasse. J'ai fait un truc dégueulasse, enfin, un truc dégueulasse et ça peut être très drôle pour vous. Donc voilà, je vous montre ma gueule, je vous montre toute ma baraque. Donc voilà, et s'il faut, je vous explique même comment on gère chez Factory. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui ont commencé comme moi par rapport à chez Factory qui a l'air un peu. Donc du coup, voilà. Ils sont bonnes, je n'ai parlé. Du coup, masse de partage aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le compte Twitter. Voilà, mon compte Twitter, si vous avez compris. Et restez super, les gars. Restez comme vous êtes super. Calme-toi, Slater, tu vas pas prendre le train. Restez comme vous êtes super, les gars. Mais tu tout le monde.